Qu'est-ce qu'ils vont raconter là? Ça c'est les vacations des phares, hein. c'est pas les bateaux ça. Les vacations des phares, les phares communiquent deux fois par jour avec Brest, à 8h10 et à 16h15 le soir, quoi. Alors ils signalent leur état du temps. Et ce soir il y aura les vedettes en plus, quoi, qui doit arriver à Saint là, pour nous ravitailler demain. Bonsoir, monsieur Gardin, pour la vieille Vannois, Fourche 7, Ford et Salcouvert, Norois 7, Mère Ford, Salcouvert. J'écoute et bonsoir à tous. Alors, 7, Mère Ford et Salcouvert, merci, bonne soirée. Les Pianois, bonsoir, j'écoute. Saint, une petite île de 6 km² au large de la Bretagne. 400 arbres. Mon père, il a fait garden phare à Armen, puis la vieille, un peu l'île Vierge, et 19 ans au phare de Saint, et maintenant il se trouve à Aigbul. Et puis alors vous avez pris la relève? Pris la relève, on peut dire un peu par atavisme si on veut, quoi. Gall a terminé ses 8 jours à terre. Demain, un bateau l'amènera avec ses provisions au phare d'Armen. Les récifs parmi les plus dangereux au monde. Les dictons sont ici évocateurs. Qui voit Saint, voit sa fin. Entre l'île et la pointe du Raz, c'est le cimetière des hommes. On est entouré, hein. On a tout vent et mer tout autour de nous. Alors, vous savez, il y a beaucoup de naufrages. Comme je vous parle de Philippe José, là, il s'est échoué là, à côté de l'île. Là. Perdu 4 bonhommes là. Ah. Oui, c'est comme ça. J'ai jamais d'enfant. Jamais. C'est dommage, puisque j'aime les enfants, j'aimais les enfants, mais j'ai pas eu de chance. Et avec ça, après, j'ai perdu mon mari 3 ans, donc, il y a 3 ans. Je suis seule. Il est parti faire une partie de pêche en mer avec son beau-frère et puis son neveu. Et avec la brume, ils ont été trompés. Ils sont partis s'échouer sur un rocher. Triste, triste pour lui. À 61 ans, il est piré en mer. Mais son corps, il a été retrouvé. Alors. Donc vous le voyez là, sur le buffet, c'est sa photo là. Enfin, sans doute c'était à tourner comme ça, hein, puisque c'est arrivé comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Ça c'est dur, hein. Oh oui, périomer c'est quelque chose, hein. Oui, il faut. Puisque on se croit quoi, que pourquoi il est parti faire, pourquoi il est parti en mer, vu il était en retraite, il n'avait pas besoin d'aller, mais ça s'était arrivé comme ça. Alors,
On ne peut pas l'oublier, quoi. Ça a été dur. Mais on n'est pas la seule, malheureusement, pour nous, puisque... Il y a beaucoup de femmes qui se trouvent dans votre cas. Oh oui, monsieur. Oui. Jean retrouvera sa femme et son fils dans 15 jours, à moins que la tempête ne l'isole au phare. Malgré le courage de l'équipage de la Velleda, nombre de gardiens du phare d'Armen n'ont pu être relevés qu'après 30 jours. L'un d'entre eux y resta prisonnier 100 jours durant. Aujourd'hui, malgré la mer forte, la relève a pu être assurée. Le phare d'Armen, il bouge pour mauvais temps, quoi. Pourtant, c'est une base, il y a une assise. Et il bouge, bon, un bateau, il bouge aussi, mais c'est pas pareil, quoi. Et nous, au phare d'Armen, bon, quand on voit les mauvais paquets venir, on voit le verre de pinard, bon, il se chavire pas sur la table, mais il tremble, quoi, quand même. Il est de tradition de classer les phares en paradis, en purgatoire, en enfer. Armen, ça, il n'y a pas de problème, c'est le pire, donc c'est l'enfer, quoi. C'est la vie d'enfer, comme il y a tellement de monde qui disent qu'ils préfèrent être en tôle plutôt que de passer 15 jours là-dedans, ils préfèrent faire un an de tôle. Nord-Irlande et Ouest-Irlande, vent fort de secteur ouest,
Transmission chaîne Deca, canal 6 Charlie, violet, interrompu le 11 décembre à 9h. Numéro 1313, île RR et éclairant le 12 de 17h à 22h30 local et le 13 de 17h à 19h30. Nous sommes délimités par les points 47 de 17h et 341 ouest. أين الخالي؟ نوين دبرة خالي؟ أمين. أم إيجالك؟ كمل كمل. لو تنك تلو بيجي تلو بيجي. أمال. ولا أخ. ربا. أبدو. ليه بس بدونك باو؟ مين ولا بعده؟ بدونك. Soirée traditionnelle, mais il faut que la télévision soit en grève pour que l'on retrouve les habitudes du passé. Voilà. Là. Maintenant, accident très très grave sur l'autoroute de Normandie à la hauteur de Flins et précisons-le tout de suite, accident peu fréquent. Un automobiliste ayant en effet emprunté cette autoroute de Normandie à contresens a percuté de plein fouet une voiture circulant sur la voie Paris-Rouen. L'électricité fut installée sur l'île il y a moins de 20 ans. Mais à l'instant même, la circulation est rétablie normalement. Par ailleurs, de la prudence, si vous êtes sur la nationale 23 entre Chartres et Le Mans, des nappes de brouillard se sont en effet formées près de Novant-le-Rotrou, visibilité de l'ordre de 30 à 40 mètres. Et enfin, pour les routes de montagne... La population se réduit de moitié. Les pêcheurs, propriétaires des plus grands bateaux, émigrent sur le continent. L'hélicoptère, c'est le lien avec le continent, en l'absence du bateau quotidien. Le courrier pourra ainsi être assuré. Alors bientôt les questions. Le dimanche, cette petite île perdue en mer se résume en son église. À l'intérieur de l'église, gravés dans le granit, ces mots, ce sanctuaire fut élevé par la grâce de Dieu et la sueur du peuple.
Les hommes ont extrait les pierres de la grève. Les femmes les ont transportées sur la tête jusqu'ici. Chaque pierre, chaque grain de sable de ces murailles ont été mis là par les chrétiens de la paroisse. La foi, le culte des morts, sont restés ici plus ardents qu'ailleurs. Moi, j'ai déjà mon frère, deux oncles qui sont restés dans le ratsac. On n'a jamais retrouvé leur corps. Et alors, on va au cimetière. Ils ont leur nom sur les tombes de nos parents, comme mémoire. Et on n'a jamais retrouvé leur corps. Celui qui tombe dans le ratsac, il est perdu pour toujours. Et alors ici, les personnes qui sont là disent aussi encore ont trouvé son corps pour le mettre au cimetière. Mais on avait beau attendre, on attendait neuf jours pour voir si on aurait trouvé son corps. On le cherchait partout, mais on ne le trouvait pas. Alors on faisait des messes. Et on faisait un enterrement comme s'il avait été là, pareil. Seulement, au lieu d'avoir le cercueil, on mettait un drap sur la table. Et deux bougies, comme on a l'habitude de mettre, avec la croix. Et puis, on faisait les veillées. On faisait deux veillées, deux nuits de rang, quoi. On faisait les veillées des disparus en mer, comme ça. Et après, on faisait l'enterrement. Et quand on retrouve... Si jamais on retrouvait son corps, on refaisait notre enterrement. Mais là, alors, on était plus contents de voir le corps au cimetière pour aller parler à nos morts. On va au cimetière, comme disait, on me demandait, mais comment vous allez si souvent au cimetière? Ben, on va parler à nos morts, on est toujours avec eux, ils sont là avec nous, à table, on les a. Au cimetière, on les a aussi, alors on va se promener, rien que pour parler avec les morts. Et les époux vont aussi au cimetière après la messe, ah, je crois. Oui.
toujours. Ici, quand on se marie, eh ben, la première chose qu'on fait en sortant de l'église, c'est aller au cimetière. La nouvelle mariée dépose son bouquet sur la tombe de ses parents si elle a perdu son père ou sa mère, ou même sa grand-mère. Elle dépose son bouquet sur la tombe de ses parents. Et alors après, on revient faire un tour dans l'île, et on va danser un petit peu. Mais ici, on est toujours avec les morts. Pas d'événements heureux sans les veuves, les personnes âgées. Merci pour ton goût. Cinquante enfants, mais deux écoles. 46 à l'école catholique et seulement 4 à l'école laïque. L'école du diable. Debout, silencieux, les Sénans peuvent rester des heures face à l'océan. L'île se dépeuple. Les adolescents doivent faire leurs études sur le continent. Peu désirent devenir pêcheurs. Depuis la guerre, certains adultes ont dû choisir la marine marchande ou l'armée. Bon, j'ai fait mon devoir. J'ai fait 25 ans dans l'armée, c'est tout. Bon, et pourtant, j'ai vécu dans les pays, hein. Et quand j'ai pris ma retraite en 68 en Suisse quotidien, hein, et après, ben, j'ai travaillé à Versailles et après je suis revenu à l'île ici. Parce que mon île me plaisait. Je suis né ici, c'est ici que je vais mourir. C'est clair, net, précis. Bon, et alors, c'est mon droit. D'accord, je ne peux personne. Je suis orphelin de père et de mère, je ne peux personne. Ni femme, ni personne. Mais je vais mourir ici parce que j'ai mon île. C'est mon droit. Et bien sûr. Parce que j'ai mon île. Parce que, vous savez, j'ai vécu dans tous les territoires, d'outre-mer et partout. Hein. Mais je pense encore, quand je me suis dit, après tout, Chardon, hein, la meilleure solution, c'est encore lui dans toute l'île. C'est là que c'est encore plus heureux. Thank you.
Plus de 600 personnes sauvées en un siècle par les Sénans. Mais le bateau de sauvetage a aussi servi jusqu'à ces dernières années pour les évacuations. Il y a eu une naissance à bord, quoi. Comment une naissance? Enfin, on a trouvé une petite, un petit garçon en allant sur Douarnenez. Il y avait censément un accouchement à faire à Lille. Et le docteur, c'était un vieux docteur qui ne pouvait pas. Alors, on a fallu transporter la madame à Douarnenez. Et juste au milieu de la baie, ben, voilà le petit gosse est né. Dans le bateau de sauvetage? Dans le bateau de sauvetage. Mais le médecin était à bord? Le médecin, le docteur Mignou était à bord avec nous. Même malade qu'il était. Il pleuvait, il y avait du vent du surroi. Enfin, on avait assez à faire. Alors, j'ai demandé avec lui qu'est-ce qu'il fallait faire quand le petit était né. Il m'a dit, il faut continuer votre route pour aller sur Douarnenez. Alors, on a continué notre route pour Douarnenez, quoi. Et on a voyé la femme et le petit gosse à l'hôpital, quoi, de Douarnenez. Et tout était bien passé. Autrefois, un médecin militaire résidait dans l'île. Depuis 20 ans, plusieurs médecins civils se sont succédés. La vie a changé à l'île de Sein, comme partout ailleurs. Mais l'isolement est toujours le même. Une île reste une île. Ce qui reste immuable, c'est la solidarité de quelques hommes. Remontez les couvertures d'abord, hein, parce que si vous remontez les couvertures, c'est pas de chance. Vous avez la planche? Oui.